Fermez vos bouches, ok? Fermez vos bouches. Parce que ce qui se passe behind the scenes, vous n'avez aucune idée. Aucune idée de ce que ces enfants subissent. Et quand tu deals avec quelqu'un qui fait tout pour les réseaux sociaux, tout pour les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux que moi, Pignel, je viendrai trancher les choses. Si toi, tu ne les feras pas de cette manière dans ton foyer, dans tes affaires, that's you. And that's fine. OK? That's fine. Vous, les matures, allez là-bas et sortez de mon live avec votre maturité. Allez là-bas. Parce que what's happening here, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Déjà, premièrement, let's rewind. En décembre, je veux même pas parler du saga de sex tape et avec les Patricia, les Tata Po, les Jackpot et tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez retenir que la personne qui a diffusé ma vidéo avec Didier sur Internet, la personne qui a donné ça au journaliste, qui a donné ça à Jackson, c'est Mike Kalambay. OK? Donc, ne venez pas me dire « Papa banana yo, papa banana nga » n'est à diffuser nudité dans mon kinimoubimba. Alors, ne venez pas me parler de Papa Bananayo Awa. Ne venez pas me parler de ça ici. OK? Parce que les choses que j'ai eu à couvrir, les choses que j'ai eu à protéger pour cet homme, you guys have no idea. Mais ça, on met de côté. Ça, c'est le couple qui est déjà dissolu, le couple qui n'existe même plus. Là, on parle des enfants. OK? Là, on parle des enfants. Because I'm so tired of being the bad parent. I'm so tired of being the one, oh no, elle fait tout ça parce qu'elle aime encore Mike, elle fait tout ça parce que she's still hung up on him. No, these children are real people. OK? They are real people. Ce ne sont pas des jouets qu'on ramasse un jour et qu'on jette le jour suivant. No, and they are boys. Boys need their dad. And if you're not going to be there consistently, don't be there at all. Pour na zangi papate. Na zangi papate who can't step in. Na zangi bande kwa mibalite who can't step in. Na zangi ba no kote who can't step in. Okay? These boys have male father figures. And if you're not going to be consistent, don't come around. Don't come around. Déjà, je sais que j'avais déjà rectifié about the custody et tout ça. Le document là de full custody qu'il vous avait montré sur internet pendant que moi, Peña, j'étais encore à Kinshasa. I don't know if y'all read the words inside of that document, but the document said this. Le document avait dit quoi? Quand Zion était né et quand j'étais aux États-Unis entre 2018 et 2021 avec les garçons, j'étais le seul parent des enfants. Mike est venu une fois en 2019, il est venu une fois en 2020 et puis en 2021, en juin, il a demandé de voir les enfants. C'était juste après, c'était quand j'étais partie à Goma. Et dans ces documents-là qu'il a demandé chez le juge, les documents-là avaient dit quoi exactement? Comme j'étais les parents principaux, le seul parent des enfants, j'étais les gardiens principaux. Et le gardien secondaire, c'était mes parents. So if anything happened to me, si quelque chose m'arrivait, c'est mes parents qui pouvaient step in pour les enfants parce que leur papa n'était pas présent. Alors, quand il est parti voir le juge, il a demandé à ce qu'il devienne le parent secondaire. Secondary parent. Pas qu'on a ravi à Peñel le full custody. Mais il est quand même venu sur les réseaux sociaux pour vous dire, pour me nuire, pour m'insalir. Et ça, Peñel n'a pas parlé. Ça, Peñel n'a pas rectifié. Quand Peñel reste calme, Peñel a comme un zo balabino. Vous faites des lives pendant des semaines sur YouTube. Namo la abino. Donc, vous connaissez la question. Moi, je n'ai pas une réputation qu'on doit aussi protéger. Moi, je ne suis pas une personne aussi qui peut tomber malade à cause de vos bêtises. Hein? Like, what the fuck is this shit? Like, for real. All of you people, je vous dis, all of you people, na rolukabino, moko. And I'm gonna take care of you myself, okay? Je n'ai pas besoin de payer les journalistes comme Mike Kalambay, les era, payez moko boué, 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 payez moko
au pèse à ma donc n'a évité ce que l'ou la maille qu'on a maille à balle à yo et moi on y a un youtube pour sakanana qu'on sakanana tes garçons n'a pas célibataire tout n'a yébisa zawa d'y a des fils à ou vaseline comme ça Mike a bêta on a sima comme ça et l'eau qu'on a pédé mon robot. Don't fucking play with me. Don't fucking play with me. Il a demandé d'être les parents secondaires. Personne n'a refusé. Because since toutes ces histoires ont commencé, je n'ai jamais changé mon discours. Les enfants ont besoin de tous les deux parents. They need a dad, they need a mom. Ok? Et j'ai toujours voulu que Mike soit dans la vie de ses enfants parce qu'en réalité, being a single mom, ce n'est pas quelque chose de facile. Et comme j'ai toujours dit, les enfants ont besoin de tous les deux parents. Both parents. Mike, il revient. I have all the pictures here. Depuis moi, j'ai pas voulu mettre les commentaires. C'est parce que je vais quand même mettre les documents ici pour que vous puissiez lire vous-même et vous puissiez avoir quand même une idée de la personne avec qui I'm dealing with. Parce que vous êtes là, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Et puis tant que l'autre est comme là-bas, nous vous binondez bas tout borolo. Why didn't you say anything? Why didn't you say anything? Don't fucking play with me. Alors, il a demandé d'être les parents secondaires. On l'a accordé ça. I didn't have a problem with that. You're their dad. You actually need to be in the picture. Tu dois être là pour tes enfants. Nobody has an issue with that. Alors, maintenant... Sorry, I need to gather my thoughts. I'm so mad. I'm shaking. Maintenant... I'm sorry, guys. Give me a second. Maintenant, quand il y a eu le final court case qu'on vient d'avoir là, I'm gonna show you guys. What Mike asked for. Mike a demandé full custody. There we go. Mike a demandé full custody. C'est lui the petitioner parce que c'est lui qui avait ramené tout ça to court. Moi, je ne lui ai jamais ramené au tribunal. Que ce soit pour le child support, que ce soit pour quoi que ce soit, parce que je me suis dit, we don't need to do all that. On est les parents des enfants, on peut parler entre nous, et puis on peut s'organiser pour les enfants. We can do what we need to do over our kids. We don't need to bring it to the courts. Mais c'est lui qui a ramené ça. Petitioner summary. Because everybody wants to act like c'est Peniel qui a ramené tout au tribunal. C'est Peniel qui veut créer à Mike des problèmes. C'est Peniel qui est en train de faire ça. C'est Peniel qui est en train de faire ça. Don't fucking play with me. Petitioner's request. Appoint petitioner as sole managing conservator of the children. That is full custody. Ça, c'est ce que Mike a demandé. Il a demandé full custody des enfants, moi, Peniel, pour voir les enfants qui sont sortis de mon corps, des enfants que j'ai portés dans mon corps, pour voir les enfants, mes enfants, je dois voir mes enfants avec son autorisation et superviser, s'il vous plaît. Votre pasteur, hein, votre pasteur. Appoint respondent as possessory conservator of the children. I'm the respondent. Petitioner shall have exclusive right to designate primary residence of the children. Déjà, you are never with these kids. Bah photo on a Instagram, bah photo on a Facebook, qu'est-ce qu'il a noté? Il voit ses enfants pour quelques heures la semaine, il prend les photos, il met ça sur Instagram pour vous donner cette culture patriarcale. Qui a tout... En tout cas, moi, ma mère, si vous avez fait un beau fils, un caca, lobby, lobby, bozon, un peu pour le voir, qui peignait dans tes demandes, pardon, peignait, non, peignait, tu avais raison, bah tout finabino, boyokin, bah tout finabino. Parce que quand on est là et on est en train de vous dire ce qui est en train de réellement se passer, vous êtes là en train de traiter les gens des bipolaires, en train de traiter les gens des folles, et tout ça, mais ma cambo, oh, moi, mon balio, azo, ça, la bano, you guys have no idea. Et moi, I'm not gonna stay quiet anymore. I'm not staying quiet anymore. Déjà,
Mike is a sex offender, okay? He should not even be allowed around his kids because he's a sexual predator, okay? Pour rectifier quelque chose, the real reason why my mom insisted that I get married is because Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. So, sir, you are a sex offender. You should be on the sex offenders list and you should not be around any children whatsoever without supervision because you fuck minors. So don't fucking play with me. But we're not getting into that right now. And I'm not the only minor. And I'm not gonna name people's names in my life. I'm talking about me. I'm only gonna talk about myself and I'm only gonna talk about these kids. And on top of that, the reason why I'm so angry, avant que je n'explique tout ça, la raison pour laquelle je suis tellement énervée, c'est parce que Mike, malgré qu'il demande le full custody de tous ses enfants, et puis il ment, malgré qu'il demande le full custody de ses enfants, il demande le full custody pour après voyager, partir dans ma kamunabamo, yaba ma juju, et bino batu yama jab. Surtout Marianne, Ero et Bondo, bossakana nangate. Boyokinga, bossakana nangate. Ok? Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je ne suis vraiment pas Moïse. Ok? Je ne suis pas Moïse Mbié. Don't fucking play with me and don't ever play with my fucking kids. Boyokinga, Roy Bondo, Marianne. Bokende ko s'occupe na banana bino ya ba mongol kuna. Bo boke ko bota banana bilongi compliqué. That doesn't mean you're gonna come over here and play with my fucking kids. Boyokinga bisika boza. Boyokinga bisika boza. I'm not the fucking one. I'm not the one. So you talk kende na bino na nenga violence. Nga bino na bino na nenga haine. Na ko tanda ba vérité a ma diabo. Ah, bo sakana na ngate bisika boza. The reason why I am so angry, avant que je ne continue à expliquer tout ça, la raison pour laquelle je suis tellement énervée, c'est parce que quand j'ai récupéré mes enfants, mon fils Shaddai refuse à ce que je les lave. He's refusing for me to give him a bath when I pick him up from his dad's house. Quand je lui demande, why don't you want me to give you a bath? Il a dit, I don't like it when people touch my privates. Mon fils me dit, je n'aime pas quand les gens touchent mon pipi. Et je lui pose la question, who is touching your privates? Qui est en train de toucher ton pipi? Qui est en train de te toucher? Oh non, telle personne, quand elle me lave, quand elle lave Zion, elle touche notre pipi. It's like, did you tell your dad? Oh non, papa dit que ça c'est notre tantine, c'est notre tata. Ok. Mais yo tata wana, mukono munao. Et tout ça, c'est parce que si Peniel dit que Mike ne verra pas les enfants, Peniel is the bad guy, right? All right. Tout ça, il demande de voir, he's asking for full possession, full custody et tout ça, des enfants qu'il n'est même pas là pour surveiller. Here is the final court order, by the way. Parents are appointed joint managing conservators of the children. Ça veut dire que physiquement, tous deux, on a possession des enfants physiquement, because that's what I asked for, and this is before I knew that my kids were being touched. Mother shall have exclusive rights under 153, 1, 2, 3, 4, and 7 of the family code. The parents shall have week on, week off possession, with the mother having the children from time school lets out Friday, March 25th, 2022, until school lets out Friday, April 1st, 2022, with alternating weeks thereafter until Christmas break. The father shall have the children beginning of when the school lets out April 1st and until school lets out April 8th, 2022, alternating weeks thereafter until Christmas break. Document. And I don't care. Pour vous les matures, moi je peux jamais venir étaler. I don't give a fuck. Do you hear me? I don't give a fuck. Parce que on a la bombe à rabouer baraté. Ok? Il y a des gens qu'il faut exposer comme ça. You're a fucking sexual predator. Et tu laisses les gens toucher mes enfants sous prétexte que you're a dad. Which kind of dad are you? Which kind of father are you? So this is 153, 132. My lawyer sent me this.
The right to designate primary residence. The right to consent to medical procedures and everything. The right to consent to psychiatric treatment. The right to receive and give receipt for periodic payments for the support of the child and or hold disperse these funds for the benefit of the child. The right to make decisions concerning the child's education. Donc si vous regardez bien, la seule chose que moi et Mike on partage, c'est les enfants font une semaine chez maman, une semaine chez papa, et c'est ce que j'ai demandé. Mais en réalité, toutes les grandes décisions, toutes les grandes lignes, c'est maman qui décide. Et il y a eu calme après cette décision parce que je n'ai pas trouvé important de venir étaler ici que « Oh, I won the custody case ». Mais si c'est Mike qui avait gagné, si c'est Mike qui avait gagné, vous savez que Bolinga qui bo yo, quand Bolinga qui bo mon, on partout. Parce qu'il paye Tata Po, les gens de Majabu, il paye la maman, il paye Era, his gay ass boyfriend. Qui encore? Il paye Adrienne. Adrienne, Bisika Boza, you're a woman and you're a mother. Adrienne, Tata Po, you guys are women and you're mothers. Bisika Boza, le jour que je vais entendre encore mon nom dans vos bouches, I swear to God, non, fouta ba bandi ba yoko beta binona banana binona mi bad na binou. Because you guys are fucking playing with the wrong person. Vous êtes là, vous êtes des femmes. Bo vandelinga na YouTube, bozolo ba boy. Quand il faut faire des analyses sur votre pasteur abuser là, vous êtes queer, hein. Parce que ma job, ba opé sabino ba $200, ba $300. Vous êtes sans scrupules, vous êtes sans charisme, vous êtes sans personnalité, vous êtes prête à tout pour l'argent. Et vous ne méritez rien. Bino ba sabino, vous ne méritez rien. Et puis après ça, after losing the custody the way he lost it, we are now back. Je ne veux même pas vous dire combien j'ai dépensé, just to prove that I am a competent mother to take care of my kids. Après ça, here is me receiving an email from... Here is me receiving an email. Et puis on est en plein matin, là. On est en plein matin. On a enterré le papa de ma mère hier. Donc, je suis là en plein matin avec ma famille. Donc, je n'ai vraiment pas le temps de venir ici, Soukini, ni avec Mike. Si je ne trouve pas que c'est des trop. After losing the custody case, after losing everything that he has, because Mike asked me to pay for child support. Moi, je n'ai jamais demandé le child support. Dans le 3 ans que je me suis occupée de ces enfants seuls, je n'ai jamais demandé même 100 francs de ta part. You're asking for full custody. You're asking me to pay you child support. Et puis, ok, coco, ça peine à résoudre ce que I have to pay you child support. Are you out of your fucking mind? Are you out of your mind? Non, tout n'a pas un cerveau. On a un cerveau, tout n'a pas un cerveau. Balokao. Balokao. Good afternoon. Judge Bennett, thank you for your decision. However, I noticed that you awarded Mrs. Kalamba exclusive rights under whatever, whatever, whatever. She did not ask for those rights specifically. Donc, vous pouvez voir que même le juge m'a accordé d'autres droits que je n'ai même pas demandé parce que durant le trial, le juge lui-même a vu combien Mike était incompétent comme parent. Au point où they're trying to appeal the decision. Et on est revenu encore dans tous les processus sur la garde des enfants. Tu as dit que tu veux voir les enfants, non? On a la garde partagée. Sur quoi on revient encore à zéro. Pour quelle raison? Pour quelle raison on revient encore à zéro? I'm asking to clarify whatever the intention to award her. Thank you, Angie Nduka. Yepe Angie Nduka. Lawyer oil. Nkono muna ope na ningiste lungi mabe. I'm asking you to clarify the intention to award the same thing, to award the same to her. Stop sharing. On revient encore. Elle revient encore. Hello again, judge. I'm asking for further clarification regarding that you ordered no child support. However, I can't see it because my face is right there. Under section 153, whatever, that appears to be contradictory. D'abord, his lawyer, c'est une bourrique. Je ne sais pas d'où il est parti la ramasser parce que my lawyer explained this to me. Cette clause veut dire que si jamais les enfants, ils ont par exemple un partenariat and the kids are getting paid for work, que ce soit peut-être
I don't know, for a movie, for YouTube. Pourquoi? Si les enfants sont en train de se créer eux-mêmes du revenu, le seul parent qui a le droit de gérer l'argent des enfants, que les enfants seront en train de gagner, c'est moi, maman. Pas que, oh non, on doit payer qui que ce soit, whatever. Mais si les enfants gagnent l'argent de leur propre travail et tout, la personne qui gère l'argent des enfants, c'est moi. What? The kids don't even have jobs. The kids are not even on social media. They are not allowed social media. They are not allowed to have their own YouTube channels. They are not allowed to do... Combien de partenariats on m'a demandé pour ces enfants? Je refuse que mes enfants travaillent. Je refuse d'utiliser mes enfants pour l'argent ou encore pour le buzz, pour ce qui n'est. Donc, tout... This isn't even like a thing. Why do you even want this right? Tu veux exploiter les enfants pour faire quoi avec? What is your fucking problem? Why do you need this right? Why is this even something that your lawyer feels is important to talk to avec le juge? Stop sharing. Le week-end que j'étais partie au concert de Fabregas, c'était le week-end que j'avais pas les gosses. Et c'était le week-end que... Donc, my kids, when I picked them up, quand je suis revenue du Congo, mes enfants sont devenus extrêmement violents. Zion est devenu extrêmement violent, extrêmement colérique. Zion, il a 3 ans et il est en train de porter 24 months clothes. Il porte les vêtements of a 24-month-old, of an infant. OK? Je suis revenue, je trouvais que mes enfants ont maigri. Je suis revenue, je trouvais que mes enfants ont fondu. Je suis revenue, je trouvais des plaies sur le dos de Shaddai, des allergies. Even though je les avais envoyés avec leur lotion, je les avais envoyés avec leurs médicaments, je les avais envoyés avec tout. Why do my kids have marks on their bodies? Je ne vais pas prendre les photos des Shaddai ni des Zion pour mettre ça ici pour exposer leur corps. But why do my kids have marks on their bodies? Why is Shaddai telling me that he doesn't want anybody to wash? Il a 7 ans. 7 ans. Quel enfant de 7 ans sait correctement se laver lui-même? Il insiste qu'il ne veut pas que quelqu'un entre dans la douche pendant qu'il est en train de se laver. Je lui ai posé la question. Why? Because auntie is touching my pee-pee. I don't like when auntie touches my pee-pee. Oh, and sometimes she tells Zion to touch my pee-pee. Et j'ai déjà vu Zion essayer de mettre sa main dans le sous-vêtement de Shaddai. Je lui ai tiré des côtés. Je lui ai demandé, why are you doing that? Like, why are you doing that? Et il commence à rigoler. Zion, il n'a que 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans. Donc, tu ne me diras pas que Zion Bisikaza, il a confectionné ça lui-même. Lui-même. De prendre ses petits mains-là et aller toucher son frère dans des places privées. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça quand ils étaient avec maman. Tu pars. Tu laisses les enfants avec je ne sais pas qui. Et les enfants reviennent pour me dire ce qu'ils sont en train de me dire là. Pendant que toi, tu es là-bas, au Congo, au Longwe. Déjà, tu avais menti. Kakrizo, à Salaki, Wana, Ono, à Zaki, Nakati, ambulance et tout. Vous êtes tous là, oh non, tu fais ça. Le papa de tes enfants va piquer une crise. Mouninga, ça déjà n'a pas de problème. Mouninga, Zobel, tout ça. C'est que Mike est en train de vivre en ces moments, ne même pas un dixième de ce qui m'a fait vivre. Ngana Koufi. Nana Koufi, tu vas assumer tes bêtises, frère. Tu vas assumer tes bêtises. Moninga, moi, je vais te mener une vie dure. Ti mon koloko kou, façon qu'on change tes. Parce que Nana, on est lié à vie avec ces garçons. Alors, si on continue qu'on sakanana, Nana, on mène une vie dure. Ti mon koloko kou, fa. Parce qu'on sakanana, tu es venu me prendre. J'avais 18 ans chez mes parents. Mouta luka kyo azate. Mouta yeba kyo azate. Mouta yeba kyo azate. Tu es venu, on t'a accepté, like. Just like a regular fucking nigga. Like nobody was thinking about you. Nobody was checking for you. Tu es venu, tu as semé du trouble dans la famille d'autrui. Jusqu'aujourd'hui, we are picking up the pieces of the things that you came and broke. Qui t'avait demandé de venir ici? Qui t'avait demandé de venir ici? Et j'aimerais aussi, en passant, toutes les personnes qui sont là en train de... Kotambola na kombo ya eniso langi na mino konabino. Bokangaba mbanga na bino, cette fille-là, elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Non, quand tu as une histoire, il y a une histoire. C'est pour ça que tu as une histoire, il y a une histoire. C'est comme on a dit à Babylon, comme si tu m'en as ligné. En tout cas, if you guys try to defend me by trying to attack me, don't do it. Cette fille-là, elle n'est pour rien. Pour rien, je dis bien pour rien. Okay? I am Amina Butterfly. I was the side chick that got married. Okay?
I was a side chick that he wifed up. Cette fille-là n'est pour rien. She never hurt nobody. She never tried to do nothing to nobody. Toutes les fois que son nom a été mêlé dans des bêtises, c'est à cause de votre tonton là, votre pasteur là. Moi, là-bas, t'as ébnaï les camoutés. Donc, bon, tira, comme on a un ami, non, on a binou. I have never met somebody so evil in my life. I have never met somebody so evil in my life. N'aibi te souki ba lokae, n'aibi te souki. Mais je t'avertis. Le jour. Déjà, you're going to jail. Come back to Dallas so you can go to jail. Come back, come back. Come back to Dallas so you can go to jail. Parce que cette fois-ci, we're just gonna, on va juste tout dire. On va juste tout étaler. On va juste tout exposer. Même les touchages que tu as eu à faire à une de mes petites sœurs, on va tout étaler. Même, donc tout étaler. On va tout étaler, Mike. Parce qu'on en a marre. On en a marre. I don't know who. Je m'arrête là. Because my mom is calling me and I know that she's mad at me. Mais je m'arrête là. I don't know if he called somebody and he's trying to get me to be quiet. Mais je m'arrête là. Mais je vais laisser quand même ses lives. You're playing with the wrong fucking person. Okay? I have nothing to lose. I have nothing to lose and I'm not gonna let you play with my kids. Dans ces mariages pourris là. La seule chose que j'ai pu sortir avec de valeur, c'est mes enfants. Alors, tu ne vas pas rentrer et tu ne vas pas rentrer pour détruire la vie de mes gosses. Maintenant, Oko aussi. Maintenant, Oko aussi. On est là. I will keep you guys updated. If there's anything else to add, I will keep you guys updated. What you guys need to retain is do not let any of your children around this psychotic man. And I am going to do what I need to do to keep them away from him now. Parce que quand il est supposé récupérer les enfants, et moi je sais que les enfants sont avec lui, il voyage. Et il ne signale même pas qu'il a voyagé. I'm in Dallas. If you're going to travel, why do you have a problem with the kids staying with me? Si toi tu vas voyager, pourquoi tu as un problème que les enfants restent avec moi? Tu voyages, tu laisses les enfants avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. On a entendu combien des histoires dans la communauté congolaise des enfants qui sont maltraités par des tontons, par des tantines, par des inconnus. Donc, ok, we're here. Since you want to play, let's play ball. Let's play ball, fucking psychotic ass monster. Coucou, bonjour la grande famille des Armalou de Kongosa Télévision. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là, vous venez de suivre Peniel Kalambay. Elle a tout expliqué, alors si tu n'es pas encore abonné chez Armelud Kongosa, abonne-toi pour ne rien rater. On se voit au prochain numéro. Bye bye, bisous, à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.